Tu sais qu'il y a des gens qui râlent parce qu'en gros, entre guillemets, hein, on exploite les pales. Ok, donc on a écouté vos commentaires, on a tout pété pour tout optimiser, on a juste gardé notre petite maison. On vous fait visiter jour 5 sur Palworld, mais vous allez voir que chez nous, ils sont pas exploités, ils sont super bien. C'est parti pour la visite. Du coup, on entre dans le camp. Première chose qu'on a refait, on a remis une carrière à cailloux au niveau des remparts. D'ailleurs, vous avez vu les remparts en cailloux tout autour de la base. Vraiment, on est enfermé. Comme ça, on peut plus se faire raid par les gens qui veulent du mal à nos pales, justement. Ensuite, la ferme, on a ici 6 récoltes de baies posées face à face avec 2 récoltes de blé, avec le petit silo qui est juste derrière et ici le broyeur qui est en rapport du coup avec ce qu'on récolte ici. Ensuite, on a installé le ranch. On n'a pas encore regardé comment ça s'utilise, mais avant on n'avait pas la place pour le mettre. On a juste bien réagencé le camp pour qu'on puisse le placer et j'ai placé une petite piscine dedans pour qu'il puisse se détendre. Toujours dans le bien-être des pales ici, vous avez vu, il n'y a pas d'exploitation. Ensuite, l'optimiseur de pales, mais bon, je vais éviter de vous expliquer comment ça fonctionne. Vu qu'on est dans le bien-être des pals, on va éviter. La maison, toujours avec la statuette au-dessus. Je vous vais visiter tout de suite la maison parce que vraiment la maison elle est incroyable. Lola elle s'est donnée, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Petit miroir, il y a un reflet dans le miroir. Hein. Certains jeux ne l'ont pas. Petit canapé cosy avec la petite cheminée, le petit frigo et tout. Non, franchement, c'est abusé comment c'est trop bien fait. Hein. La maison, si vous êtes encore là dans les commentaires, donnez-moi une note sur 10. Hein. Elle est incroyable. On la garde en bois parce qu'on aime bien l'aspect chalet. Vous allez voir que le hangar lui il a évolué. Mais avant ça, je vous montre un petit peu ce qui se passe ici. Donc on a notre centre d'abattage d'arbres qui est juste derrière. Et ils y vont quand ils en ont envie. Hein. Toujours le bonheur des pales ici. Et notre petite fermette. Bon, la ferme elle a un peu bugué, j'ai l'impression. Genre les pales ils vont dehors, dedans, autour. Bref. J'ai l'impression que la zone délimitée par le bout de bois est pas vraiment celle délimitée par le jeu. Et bref. Et enfin, on arrive du coup sur le hangar. Donc le hangar dedans, on a. Donc là, il y a mon pal en train de cramer pour les œufs. Vous m'avez dit de mettre ça pour que les œufs soient chauffés un peu mieux. Ça marche, mais ça marche pas trop. Voilà. Mais on a nos fournaises qu'ils ont juste ici. Et un coffre pour vider les lingots et les œufs dedans. Comme ça, on peut les prendre directement ici. Ensuite, 2 chaînes de production. Donc, on a la chaîne de production. Genre, c'est un établi en fait, mais de vraiment mieux que le premier. On peut y faire vraiment pas mal de choses dedans. Et enfin, la chaîne de production de sphère. Ça, ça fonctionne avec de l'électricité. Donc, on était obligé de mettre ce truc tout moche. Mais je trouve que dans le hangar, là, ça c'est plutôt central. C'est plutôt joli. Vous nous direz. Si jamais vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas. Et enfin, le dernier endroit. Alors, ça, Lola, elle en est giga fière. C'est un peu inspiré Minecraft. Regarde avec les pancartes. Mais en gros, moi j'hésitais parce que on les a mis vers l'intérieur, mais je pense que vers l'extérieur ça serait mieux, mais ça me gêne pas plus que ça. Avec la cloche qui ici, on dit concentration sur le travail ou alors attaquer les intrus. Comme ça, si on se fait raid, il y a attaque des intrus. Et évidemment, on a aussi un deuxième camp. Je vous le montre tout de suite. Qui du coup est juste derrière le nôtre. Vous voyez, comme ça on peut y aller en volant. C'est vraiment pratique. Je sais qu'on peut se TP, mais nous on est des gens qui aiment bien voler quoi. Et dans ce camp, du coup, ça tape le fer à balles avec des domounds, une tortue. Non, franchement, là, ici, le fer est fait à foison. Il y a un petit peu de bois, je sais pas pourquoi. À mon avis, la tortue, quand elle tourne, elle fracasse les bois qui sont autour. Et il faut penser à venir ramasser de temps en temps, parce que si on ramasse pas ça des pop, je sais pas si c'est lié au fait qu'on soit en serveur, ou si c'est lié au fait que bah il y a un temps de dépop sur les choses, je ne sais pas. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Donc c'était le jour 5. La prochaine étape, ça sera jour 6, on aura un troisième camp, je sais pas ce qu'on y fera encore. Peut-être qu'on le mettra entre deux, je sais pas. On verra. Merci pour vos commentaires, ça nous fait super plaisir.